Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant une pépite quinoise venant de la République démocratique du Congo, Moana Changu, et qui se trouve présentement en France. Nous vous avions parlé de ce jeune, hein. Nous revenons vers vous pour vous donner des nouvelles, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 27 juin 2024. Impressionnant. La jeune pépite venue de la Changu, le district le plus populaire de Kinshasa, Messi Manitou, a signé un contrat de 3 saisons à Amiens SC de Gaël Kakuta. Et le club amiénois lui-même a confirmé l'information à travers son site internet amiensfootball.com dans un article qu'il a titré « Messi Mubundu Manitou est amiénois ». Je vais vous lire cet article qui nous donne cette très très bonne nouvelle d'un jeune qui vient du terrain zélotique du district de Trésor Mputu. Il est d'ailleurs passé par le même club que Trésor Mputu. Vous allez découvrir tout cela dans cet article d'Amien SC. Arrivé en Picardie cet hiver afin de renforcer et d'étoffer le secteur offensif des U19, Messi s'est montré décisif à plusieurs reprises en seconde partie de la saison, donnant ainsi satisfaction à l'ensemble du bord de Amiénois. Aujourd'hui, le jeune joueur de 18 ans paraffe son premier contrat professionnel en faveur de l'Amiens SC et défendra les couleurs du club jusqu'en 2027. Meneur de jeu, gaucher, virevoltant et dribbleur, Messi Manitou a tout d'un célèbre homophone argentin. Devinez de qui il peut s'agir. Je sais que vous allez nous donner le nom de cet homophone argentin. Mais c'est bien le jeune joueur congolais qui vient de paraffer son premier contrat professionnel en faveur de la Amiens SC cette semaine. Formé à la JST, Jeunesse Sportive de Changu, après avoir frappé ses premiers ballons à Jacques Trésor, Académie de football propriété d'Anaclet Tchamala Mukendi, Messi se distingue rapidement par sa technique balle au pied, sa lecture du jeu et sa capacité à se positionner intelligemment sur le terrain. Ses fulgurances sur le rectangle vert ne manquent pas d'attirer certains gros clubs européens l'hiver dernier, mais c'est bien à l'Amiens SC et grâce à l'œil attentif de Patrick Abraham que le joueur de 18 ans s'engage pour 6 mois durant lesquels il vient apporter sa fougue et son sens aiguisé du but au groupe de Patrice Descamps. 6 premiers mois concluants, rapidement intégré dans le groupe U19 avec lequel il dispute ses premiers matchs. Messi ne met pas longtemps avant de se mettre en évidence sur la pelouse. Le natif de Kinshasa fait parler son talent lors de la 22e journée du championnat face au Paris Saint-Germain. Titulaire, le meneur de jeu congolais inscrit son tout premier but sous les couleurs amiénoises après moins de 30 minutes de jeu. Un but qui permet à son équipe d'accrocher le point du match nul face au leader du groupe. De nouveau aligné la semaine suivante face à l'USL Dunkerque, Messi démontre une nouvelle fois son impact sur le terrain, contribuant ainsi à la victoire 2-0 de nos jeunes pousses. Important dans l'animation offensive, notre nouveau numéro 18 prendra le temps de parfaire sa progression avec le groupe Pro 2 lors de la saison 2024-2025 avant d'intégrer à terme le groupe professionnel de Mardaf. Messi Manitou, déjà un contrat
dans sa poche du côté d'Amiens. Je me souviens qu'on a eu à parler de lui ici quand il a fait ce voyage justement pour ce test. Et visiblement, les Amiénois sont satisfaits de son test. Vous n'êtes pas surpris? Surpris, oui et non, parce que bon, vous savez, au football, il n'y a pas que le talent qui compte, hein, donc il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. C'est vrai qu'il est venu avec quand même un statut de pépite, hein, de jeune talent prometteur du côté de la RDC, et il a convaincu carrément le club amiénois. Tout de suite, hein, ils l'ont fait signer directement un contrat de 3 ans. Parce que bien évidemment, tout autour, il y avait des vautours qui le voulaient. Exactement. Donc, cette belle prestation avec l'équipe U19 d'Amiens n'était pas passée inaperçue. Il y a d'autres clubs des pays étrangers qui voulaient lui donner un contrat. Donc, je suis vraiment très heureux. Donc, il va commencer avec la réserve d'Amiens. Et puis, bon, pourquoi pas après réintégrer l'équipe d'Omar Daf qui lui évolue en Ligue 2. L'équipe où évolue son aîné Gaël Kakuta. Gaël Kakuta, tout à fait. Donc, c'est une très très bonne chose pour le football congolais. C'est ce qu'on veut, les jeunes pépites qui viennent aussi de la RDC, et pas toujours compter sur les pays nationaux, bien que ce soit aussi nos enfants, mais il faut faire cette symbiose aussi, c'est bien que nos jeunes promesses aussi viennent finir leur formation ici. On se souvient d'un Chancel Mbemba qui, malgré qu'il avait déjà évolué avec l'équipe de NK Etanchéter en EPFK, si mes souvenirs sont bons, il a eu toute cette humilité de jouer avec les U19 dans Derek pendant 2 ans. Il a joué avec les U19 dans Derek et U21 pour faire continuer sa progression, sa formation. Et on voit quel joueur il est aujourd'hui. On voit encore Silas Katompa, on voit donc c'est aussi bien que des jeunes locaux, des jeunes prouesses comme ça qui déjeunent en herbe comme ça qui sortent, et c'est vraiment bien. Et ça sera bien pour la tanière d'ici 3-4 ans. Donc c'est vraiment une très très bonne. Je suis vraiment très très heureux pour ce jeune talent. Encore une fois, la Tchangou, ce district de Kinshasa, le district le plus grand avec des communes comme Massina, Njili, Maluku, Ntsele. Ce district en tout cas nous donne beaucoup de talents. Je l'ai dit, hein, Jacques Trésor, on va dire une académie, hein, peut-être, parce que le vieux Tchamala, on le connaît comme l'encadreur des pépites. L'encadreur des joueurs, ils sont nombreux, ceux qui sont sortis par là. Je peux citer Trésor Mboutou, alors lui c'est notre légende. Il y a également Patou Kabamo aussi, Deokanda. Franchement, ils sont nombreux, franchement, des joueurs sortis de Jacques Trésor. Donc la Tchangou, Casablanca comme l'attaquant, Ben Malango aussi vient tout à fait. Donc Eric Bokanga aussi. Diego Mutombo aussi, le milieu défensif là, qu'on a vu à un moment du côté de l'AS Vita Club. Donc c'est vraiment son continu Tchang aussi. Il y a Mécha qui vient de Kikole aussi. Donc c'est aussi par là, dans le district de la Tchang. Rien que ce district là, imaginez rien que ce district là, le nombre de joueurs de talentueux qui en sont. Maintenant, si on va du côté de Ngaliema, du côté de Lugwa, donc c'est vraiment. Et je me demande si Bisaka, Aaron, si ses parents n'étaient pas originaires de la Tchangou, parce qu'on l'a vu, hein, de ce côté-là aussi, superviser certains jeunes de ce côté-là, parce qu'il a son projet justement de faire une académie, hein, pour encadrer ces jeunes. Et nous sommes très très heureux quand des jeunes partent très jeunes. Vous avez donné des exemples de Chancel Mbemba et de Silas Katompa. Ce sont des joueurs qui n'ont pas connu la Lina Foot. Ils ont peut-être connu l'entente provinciale de Kinshasa. Même Dieu merci Mbokani, il a joué qu'une saison en Ligue de la Foot avec Mazembe. Le TP Mazembe. Et d'ailleurs, on ne le connaissait pas. Moi, c'est vrai qu'on parlait de Boutou Trésor qui est venu en test en Anderlecht, mais curieuse, les deux arrivent en Anderlecht, c'est Mbokani qui est retenu, alors que Mbokani n'était pas une star. Il fait une plus forte impression. Donc, le talent en RDC, on le dit toujours, il y en a énormément. Donc, je n'aime pas faire trop de distinctions, mais le meilleur défenseur actuellement, c'est un joueur qui vient de la Zélotique, donc c'est Chancel Mbemba. Le meilleur buteur des Léopards, Dieu merci Mbokani, qui vient de la Zélotique aussi. Donc moi, si je peux donner il faudrait vraiment investir dans la formation aussi en RDC. Pourquoi pas signer des partenariats avec des clubs étrangers, comme le font par exemple Génération Foot du côté du Mali avec le FC Metz. On voit les résultats que ça donne aujourd'hui avec l'équipe nationale du Sénégal. Ça va peut-être venir, hein, puisqu'il y a un international congolais grâce à lui, hein, je suppose. Ah, oui. Son club viendra ici à Kinshasa pour faire un camp de détection de jeunes talents. Nous allons suivre cela. C'est un sujet que nous allons discuter, hein, ici
demain. On va partager cela avec vous demain. Alors, Messi, Manitou, hein, le prénom Messi s'apparente à la légende argentine, au GOAT, Lionel Messi. Hein, moi, j'aime toujours à dire qu'il y a beaucoup de GOAT, il n'y a pas un seul GOAT, sinon les Barcelonais vont se bomber le torse. Moi, je suis madrilène, je ne m'en cache pas. Messi, il n'a pas hérité que de ce prénom. Visiblement, en suivant ce site d'Amiens, il a le talent de Messi, un gaucher virevoltant, technique, et il est aussi fin buteur. Il arrive déjà, il a inscrit au moins déjà 2 buts. Il s'est montré décisif contre le Paris Saint-Germain alors qu'ils étaient menés. Et c'est lui qui inscrit ce but égalisateur qui permet à son équipe de ne pas perdre ce match important face au leader du groupe et c'est pas rien. Messi, Manitou, mais attention, il y a un Lionel qui a aussi le prénom de la légende Lionel Messi et qui n'a pas manqué d'immortaliser cet instant du jeune Messi Manitou. C'est Lionel Pacenza, ou le gardien de l'équipe nationale des Léopards de la RDC, blessé, hein, qui a manqué donc les 2 derniers matchs des Léopards et qui est en vacances quelque part et qui va nous revenir, je n'en doute pas, très très fort et qui a en tout cas mis le petit Messi Manitou dans sa story, okay, sur Facebook, comme vous pouvez le constater en image, hein, histoire de lui dire bienvenue et surtout qu'il fera face à ce jeune quand il va monter chez les pots du côté d'Amiens. Et Lionel Pacenza, on le sait déjà que c'est un danger pour lui, hein, parce que lui du côté de Rodez et lui du côté d'Amiens SC, ce sera donc une bataille, mais entre Congolais on se supporte quand même. Il est content pour lui et je suis très très heureux de le voir réagir comme ça. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 3e livraison sportive de ce jeudi 27 juin 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur cette pépite Messi Manitou. Je ne doute pas que parmi nos 21 000 abonnés, il y en a au moins un qui connaît ce jeune, hein. Alors si vous le connaissez, venez nous en dire un peu plus parce qu'on reviendra encore sur lui, hein. Une pépite comme ça va certainement écrire son histoire dans cette équipe d'Amiens, mais pas que, hein. Il va écrire son histoire dans la Ligue 2 quand, bien sûr, puisqu'à terme il va monter chez les pros, et on espère qu'il sera, que son image sera vraiment vendue et qu'il pourra peut-être progresser et monter encore d'un cran. Alors n'hésitez pas à venir nous en dire plus en commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne DiascoFoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et bien abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir.